Hey, salut les gars. Bon, aujourd'hui on est à Landerneau. Landerneau, c'est quoi? Le 3-6 Delta qu'il y a dans l'intro de mes vidéos, c'est ici. En revenant sur place, je me dis putain, je suis débile, c'était une mauvaise idée. Mais bon, c'est rentré. Aujourd'hui, du coup, on est à Landerneau. On va essayer ensemble de passer une funbox. Donc je dis passer une funbox en entière, bien sûr. Passer une funbox en transfert, comme vous le dites. Moi, pour moi, c'est passer une box. Partir de la courbe et atterrir dans le plan incliné, en prenant de la hauteur. Bon, elle est gondolée. Bon, voilà, une funbox. Du coup, ce qu'on va voir en premier, c'est les erreurs basiques que tout le monde fait. Le premier truc, c'est d'arriver à fond la caisse en se disant « ouais, ça va passer », en faisant rien. Je vous montre. Bon, on est d'accord que je l'ai passé, mais c'est pas comme ça qu'on passe une box. Alors la première chose à comprendre, c'est que c'est pas parce que tu arrives à 40 km/h que tu vas la passer bien. Il faut faire un bunny hop dans la courbe. Tu vas me dire faire un bunny hop dans la courbe, je vais partir en flip. Ouais, mais il faut le doser. Faut pas tirer trop sur le guidon. Arriver en bas de courbe, appuyer comme si tu allais t'asseoir, monter la courbe et essayer d'envoyer le vélo vers en haut. Je vous en fais un au ralenti. Là, j'ai trop tiré. Au lieu d'aller en hauteur et en avant en même temps, je me suis retrouvé à faire peu. Maintenant, il faut trouver le juste milieu. Pas trop tirer sur le guidon, arriver à la bonne vitesse et faire le mouvement du bunny hop dans la courbe. Bon, là, c'était un peu mieux. Et maintenant que je vous ai donné la technique pour sauter la box, je vais vous donner la technique pour atterrir souple. Alors, une fois qu'on a bien compris comment la passer, les premiers coups, vous allez atterrir avec les deux roues en même temps. Et ça va faire mal, forcément. Parce que, bon, encore ici, il n'y a pas de renfort en dessous. Donc c'est la courbe qui est amortie ou le plan 1 qui est amorti. C'est déjà bien. Mais en fait, le tout, c'est d'essayer d'arriver à bunny hop en passant la box. Et une fois que vous êtes en l'air, à l'apogée, vous allez tendre un peu vos jambes pour que le vélo fasse ça et aille atterrir la roue arrière en premier, puis la roue avant. Comme ça, ça va vous rendre un peu plus souple. Je vous montre. Et comme ça, vous aurez le beau bruit de module en carton, boîte de conserve recyclée. Boîte de conserve recyclée, on disait. Hein. Donc ça, c'est l'exemple type d'un module de merde. Je vais biper le merde, sinon je vais encore me faire emmerder. J'ai juste fait un tel tap, j'ai glissé comme une bouse. J'y retourne. Putain. Ça me saoule, ça, putain. Je te jure. Un tel tap, quoi. Un tel tap, quoi. C'est pas comme si je savais pas le faire, quoi. Bon, c'était pas très beau, mais c'était pour vous montrer. Du coup, vous avez bien vu, j'ai sauté, arrivé à l'apogée du saut, j'ai retendu un peu mes jambes, et du coup, ça a fait descendre la roue arrière en premier, puis la roue avant. Surtout, vous prenez pas la tête. Les premiers coups, c'est normal que ça marche pas. Vous allez sauter et atterrir au milieu. C'est normal. C'est avec le temps que ça vient, ce genre de tricks. Ce genre de tricks, c'est pas un trick, c'est passer une box. Ce genre de mouvement. Un truc vachement important, si vous avez une funbox, essayez de la passer en entier direct. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est plus facile de faire du fly out. C'est-à-dire fly out, c'est sauter et tomber sur le plan. Mais le problème, c'est que ça va vous handicaper vachement pour faire les tricks en funbox entière après. Parce que vous allez choper un mauvais mouvement. Et du coup, vu que vous atterrissez à plat tout le temps, comme ça du coup, bah quand vous serez dans le plan 1, vous serez comme ça. Et ça marchera pas. Donc le mieux, si vous avez une funbox, c'est d'essayer de la passer. Peut-être pas en tricksant au départ, mais essayez de faire des sauts, des sauts, des sauts, jusqu'à ce que vous ayez confiance et que vous puissiez lâcher une figure. Voilà. Bon. C'est bien parce que ça glisse pas. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir le spine. Oh non, super le spine. Allez. Crevé, quoi.